Bonjour tout le monde et aujourd'hui c'est Hugo et Neo Gaming. Ah, comme d'habitude le petit blanc mais bon. Allez, on y go sur une petite game sur sur Planetary Annihilation, un jeu que j'avais présenté il y a un moment. Toi aussi John, non? Non, tu n'as pas encore présenté le jeu moi. D'accord. Bah tu vas pouvoir nous présenter un petit gameplay. On est sur la même planète. On joue contre et toi tu es avec quel commandeur déjà John? Invictus. Invictus, moi je suis avec Osiris, une sorte d'araignée. Bon, on est parti, commencez l'animation. C'est parti. Donc on parle tous les deux. Tout à fait, et vous allez voir donc comment on joue chaque fois de notre côté. Hugo a plus de temps de jeu que moi, mais... Ouais, mais toi, tu te débrouilles mieux sur les planètes. Alors attends. Voilà. Le son du jeu est un peu fort de mon côté. Moi, j'ai pas de son du jeu. Sans son. Merde, je peux pas le changer. Attends. Attends, prends de l'avance. Alors. Le son du gay. Alors, donc là vous pouvez le voir, je place un extracteur de métal qui nous fournit en fait la ressource à droite, là, à gauche, pardon. Ah là, comme ça on t'entendra mieux. Étant vos réserves de métal. Alors. N'hésitez pas à aller voir le point de vue du côté de Hugo. Ouais. Alors on joue tout à fait différemment hein, avec John. John a plutôt tendance à investir son endroit. Voilà, c'est ça. Elle est très jolie cette planète. Ouais, par contre le problème c'est que je pense qu'on est sur exactement la même île. Oui, on est sur la même lande. Hein, ouais, donc ça va être très chaud. Parce qu'on risque de se fight très tôt, à mon goût. Ah, ce sera une partie courte. Hein. Ouais, c'est ça le problème. Alors moi je fais des parties plutôt full constructeur. Je préfère ça, hein, comme type de partie. Donc toi, tu vas nous faire de la protection parce que John va venir nous push. Ouais, te connaissant, toi tu risques de venir nous agresser dès le départ. On lui coupe la tête. Ouais. Ah ouais, mais pour créer là ça va être la galère. Ouais, il faut se... C'est pas la meilleure planète pour un début hein. Ouais. Pour la première vidéo. Surtout que j'ai déjà être en rate de métal et en rate d'énergie. Merde, j'ai même pas fait de producteur d'énergie. Non. J'y pense là. Du coup, on peut pas trop décrire ce qu'on fait. Ouais, c'est ça la galère en fait. C'est quand on peut pas trop décrire, sinon. Bah. C'est normal. Bon, c'est plutôt sympa comme ça aussi. Hop, construis-moi ça, toi. Hop là. Ouais, parce que si on écrit après, tu sais, ça, on a l'air malin. Quoi. Bah ouais, c'est ça, on sait ce que l'autre fait, quoi. Mais bon, on va gérer. Comme Hugo vous l'a dit, moi je suis plus dans une stratégie défensive dans un premier temps. C'est-à-dire que je défends bien ma balle. Ça dépend contre quoi après, hein. Voilà, c'est ça. Tout dépend comment je t'attaque, comment. Ah, par exemple, si on met un système avec plusieurs planètes, la plupart du temps, je meurs. Ouais, parce qu'en fait, John défend trop et moi j'ai tendance à push avec les planètes. Comme la vidéo que j'avais faite la dernière fois, la vieille vidéo où je parlais peu mais qui était très longue, où j'ai fait en fait une annihilation directement avec une IA à la con. J'ai fait une annihilation. Avec un canon. Toi, tu l'as jamais vu l'annihilateur, John? Sur la plus grosse planète, sur l'étoile de la mort. Ouais, quoi. Ouais. Est-ce que tu as vu cette vidéo? Oui, je l'ai vue, pas en entière. Parce qu'elle était très longue pour. Mais je l'ai vue. Voilà. Oh, il fouille tout. Il fait tout nuit. Ouais, bah on est du côté où regarde. Parce que regardez, on peut dézoomer grandement, hein, donc on peut avoir pas mal de. On est de côté planètes. Où il fait nuit de la planète. Voilà. Et on est du même côté avec John, donc c'est ça qui me stresse un peu, c'est qu'il risque de venir investir mon territoire. Oui, parce que comme dans Spellforge, j'ai une stratégie de. Mondialiste. On peut dire ça comme ça. Toi, t'as déjà une armée, je parie. Non. Non! Tu pourras regarder ma vidéo pour voir si je t'ai menti ou pas. Ouais, de toute façon.
Mais tu fais bien de m'en parler. Oh là là. Non, c'est pas bon en fait, cette technique-là n'est pas très très bonne. Ah, ça paye pas? Non, ça bouffe plus d'énergie qu'autre chose. Vous, construisez-moi... Hein? Du stockage, parce qu'en fait le problème c'est que si je reste là, tu risques de me push. Je vais partir en premier, on va dire. Direction les petites îles, tu sais. Ouais, l'autre, il va investir. Bon, je te dis direct comment que je... Par contre, ici, il va falloir gérer autrement. Vous voyez mes unités ici construisent ce bâtiment-là. C'est un peu avancé quand même, donc ça met un peu plus de temps qu'un bâtiment classique. En fait, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on a quand même l'impression d'être sur une map monde, hein, plus qu'autre chose. Ouais. Oh putain, moi, 66% de rendement. Mais c'est quoi ce bordel? Caca. C'est plus que caca. Oh caca, fou. Ouais, c'est ça. Ça, ça va me servir à faire ça. Vous. Allez, les îles, elles sont loin. Voilà. On a besoin de vous. Oh là. Pour faire du. Ouais, après, vous me construirez ça. Il y en a un de vous deux qui va aller faire ça. Là. Voilà. Alors lui, il est là. Attends, on va te demander de faire ça. Vous voyez un rayon autour du bâtiment, c'est équivalent à ce qu'il protège. Insufficient metal. Insufficient metal. Déjà au niveau du métal, tu vois, je galère. Moi je galère un peu quand même aussi, franchement. J'ai pas spécialement fait des grosses réserves, tu vois. Je suis à 21k au maximum. Ouais. En termes de quoi? En énergie ou en métal? En métal, 145. Le problème, tu vois, c'est que je sais pas comment on sélectionne ces... des... Ah, enfin, rendement 100%. Ça fait du bien. Par contre, direct, je pense en rendement 2%, quoi. Ah. 40% de rendement, attends. Chaud. Mmh. T'as des erreurs, quand même. Moi, je sais que t'es de l'autre côté. Bah, c'est quand même assez flippant, parce que mine de rien, on sait où on est, quoi, là. Ouais, c'est ça, la galère. C'est qu'il y a une seule grosse île, et après, le reste, c'est de l'eau, quoi. Ouais, donc limite, les chantiers navals, c'est limite pas utile. Mais oui. Ah oui, parce que bon, tu peux te battre dans l'eau, hein, bon. Mm. Ouais, le problème c'est que chaque unité machin et tout, elle se développe pas. Bon, ça va être une partie longue, hein. Ça va être une partie un peu dure quand même. J'avoue. J'avoue. Parce qu'on stresse un peu de chaque côté, qui sait qui va attaquer en premier. Ouais, c'est vrai que c'est un peu suspect. Attends, hop, on va arrêter ça. Super, Skype qui me dérange. Hop. Hop. Allez.
Tac, t'es ennemi. C'était pas offensif, hein, t'inquiète pas, John. Ah, tu me rends visite, quoi. Oh, c'est ça. C'est exactement ça. Je t'ai rendu visite. Mais dis-toi que ça n'était pas pour t'attaquer. C'était juste pour voir. C'était bien pour voir si t'étais bien là, mais tu es bien là. Et rip alors. C'est encore plus stressant que jamais. Ah bah oui. Arrêtez ça, hop là. Alors, protégez-moi avec ça. Ouh, dis donc, il pompe. Rappelle-toi et fais gaffe au commandeur de ne pas l'utiliser comme. Non. Source de. Ce type de créature-là, hop là. On va faire ça. Plus. Moi, il me faut surtout du stockage et de l'énergie en foisson. Ah, ça fait bizarre quand t'es sur un terrain aussi restreint, tu sais. Oui, bah oui. Tu sais que faut pas aller trop loin parce qu'il pourrait y avoir l'autre. C'est un peu. Caca. Ouais, carrément, c'est carrément stressant. Et comme vous voyez, tous les trous là qui manquent, c'est des. Je crois que c'est dans le pack Titan que c'est présent en fait. D'accord. Tu vois donc. Hop. Je sais pas si je suis suffisamment protégé moi. Voilà. Additional metal extractors required. Quand même créé des. Oh là. J'ai fait comme la même erreur que la dernière fois. Ou trop de petites. De petits. De particules. Fait laguer le PC. Ah oui. C'est horrible, moi ça ralentit d'un coup, c'est vu que je fais masse constructeur. Parce que regardez, il y a plein de mini-animations et ces mini-animations demandent pas mal de performance. Alors. Ok, je vais arrêter la production soft, c'est pas n'importe quoi. Annulé ! On peut pas quand il est en route. Mais c'est ça qui me demande de l'énergie, hein. C'est sûr. Il faut le finir. 44%, on arrête tout. Toi aussi ? Ah bah là. Mauvais. Moi aussi j'ai des quelques petits soucis d'alimentation. Allez vite. Mais qu'est-ce que tu fous? Ah merde, je croyais que c'était toi. Oui donc j'ai encore du mal à faire la différence entre attaque et. Ah non t'inquiète que je t'attaquerai pas maintenant. Attends. C'est un coup pour me tuer. Ce serait plus mon joueur à moi. Oh, mais ce sera un coup pour me suicider. Parce que si je fais ça. Quel type d'unité? Pas assez de métal, il y a pas de chien. On va faire ça, j'espère que. Cette game sera concluante. Faut que surtout que j'ai l'odeur de la cuisine en bas là. Ah. Ça donne faim, c'est dommage. Ah. Voilà. Alors j'ai quelques petits drops d'images à cause de la connexion internet que je me tape. En fait, il synchronise les données à John aussi. Et oui. Ce qui fait que. Voilà. Ça remonte, même. J'ai jamais pu produire de métal avec ces trucs-là. Tac.
Ah oui, mais il y a ceux-là. Oh, 26% de d'efficacité. Arrête-toi, toi. Voilà, on va faire ça. Oui. On va même proposer à ce constructeur là. Hop. Plus. Allez, allez, allez. Ah non, attendez. Faut qu'on augmente la productivité considérablement. Voilà, et vous faites. Vous faites ça. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà, j'aurais peut-être de la chance. Hein, surtout John, il va m'attaquer avec masse robot, hein, comme d'habitude. Oh, pourquoi tu dis ça, voyons? Parce que je sais que tu en prépares. C'est pas mon genre. À peine. Je suis pas comme ça. Surtout que tes robots, en plus, ils sont souvent puissants, donc c'est un peu l'emmerdement. Oh, bonjour. Oh, mais monsieur a construit vachement. Merde. Ah, bah j'ai pas pu aller plus loin. Voilà, on va faire ça comme ça. Et vous rejoindrez une petite équipe. Merde, mais c'est annulé. Quand t'annules une construction, en fait, ça... Ouais, bah oui, en fait, quand tu prends un robot qui construit, en fait, l'autre construction n'a plus d'énergie pour être construite, donc elle se détruit petit à petit. Putain, je produis que 9K d'énergie, je suis à 22% de rendement. Mais sérieux. Toi, John, ça va? Tu gères pas trop mal? Ouais, là, ça va. Franchement, ça va. Pour l'instant, c'est bon. Moi, c'est la galère, même pour le métal, t'imagines? Ah ouais. Et oui, on est vraiment serré, on est vraiment les trois. Oui. Non. Il peut pas. Donc, attends, toi, tu. Tu vas faire ça. Va aider lui. Toi, construis-nous ça. Ah non, ça, attends. Ça, si, ça pourrait peut-être nous servir. On peut accélérer la production des... Quand un bâtiment veut construire quelque chose, par exemple, si tu mets tes unités sur lui, ça accélère ou pas? Oui. Tu cliques droit dessus. Ça pompe pas mort, non? Ça pompe pas mal, oui, en énergie, oui. Ah ouais, lui il construit vite. Hein. Oh, putain, je vais me faire annihiler, je pense, cette fois. Ah bon? Ah, je pense que tu vas gagner là, ouais, fortement, parce que t'es bien plus rentable que moi. Là, je suis à 43%. 25. Ah ouais, j'avoue. Parce que moi, vraiment, les trois, tu vois, c'est pour ça que je suis plus fort sur du multiplanète. Oui, bah oui. Parce que, de toute façon, vous aurez l'occasion de voir la capacité de feu et la puissance de Hugo sur des planètes, vu qu'on fera plusieurs épisodes. Ah ouais, ouais, ouais. C'est vraiment sympa en plus, ce jeu a... Même quand on est tous les deux en vocal. D'ailleurs, je me tape un freeze. Go. Oui, voilà. Oui, ça a coupé. Premier freeze. Vous avez des intermittences, hein. Oui, je ne suis pas à la fibre optique, moi. Allez, allez, allez. On produit en masse. Ouais, je vois ça. Hey! What the fuck? T'es chez moi, tu mets tes petits trucs d'énergie là au calme. Ah ouais, avec une station en vrai là en plus. Alors ça, en fait, cette station permet d'annihiler les...
les troupes orbitales. Je t'attaque pas dans ton coin central. Hein. Mais t'es une saloperie quand même. Plus Cerberus, il pêche de loin, lui, hein. Ah, salut Go. Et il m'attaque dans mon coin. Hein. Ne viens pas chez moi. En fait, tu es chez moi là. Bah quoi? Ça veut dire qu'on ferait des knackis. Ah ça. Ah ouais, d'accord. En fait, t'es lance-torpille, c'est plutôt OP. Ouais, je pensais pas que ça faisait autant de dégâts. Bah sur les bateaux, ça paraît pas. Tu m'as défoncé un bateau d'ailleurs. Mais bon, toi t'as quand même un enculé, tu m'as attaqué. Ah bah je t'ai attaqué des trucs qui m'appartenaient, oui. Ah salaud. Ouais mais en fait tu m'empêches d'avoir des unités maritimes. Ah bah écoute, merde hein. La survie à tout prix. Ah, par contre, ça aussi, ça fait du dégât. Et surtout que les lance-torpilles, on peut pas les détruire. On sait pas. Ah si. Ah, ennemi anti-nuke. Attends, j'ai cru. Enemy nuke detected. Putain, j'ai eu peur. Déjà? What? C'est ça. Ah ouais, mais t'investis cette petite île à toi tout seul, tu sais. Ouais. Faucheur. Non, c'est l'autre. En fait, il va me niquer mon. Cette province est à moi. Lanceur de missiles nucléaires localisé, c'est bien ce que je pensais. Tu veux me balancer du nuke? Mais non, voyons! 34% de rendement, mais je suis tellement nul! Oh, la game de la dernière fois était bien plus OP. Ah, c'est vrai que la dernière fois, t'as joué vraiment bien. Franchement, je me suis fait défoncer, j'ai rien compris. Ah, oui, ça par contre, ça fait mal. Ah, la dernière fois, en fait, si vous voulez, on avait notre petit système. En fait, on s'est fait un système avec autant de métal chacun, mais beaucoup de métal. En gros, ça nous force à rester. Oh punaise, Steam qui m'emmerde. Allez. Les gars, on se passe en hors line. D'ailleurs, je pense que je vais faire pareil. Voilà. Now! Now! Là, j'ai mis de l'arme. Ah, rip. Allez hop. Un petit freeze pour permettre. Grave. Ah ouais, mais attendez, et stoppez l'énergie là, j'en ai trop. Je produis 39k. Non mais stop, arrêtez. Il me faut du métal. Moi j'en ai pas assez. Non, de l'énergie ou du métal? De l'énergie. Je vais la laisser remonter un peu, je pense. Hop, on va sélectionner ça, on va prendre tout ça. Allez, remonte, coquine. Remonte. Ah, intéressant. Ah là, voilà. Il y a cette petite chose. Voilà, je suis un tout petit tir. Et ça me permet d'avoir des unités de ce genre pour faire ça.
Espèce de bâtard. Voilà. C'est très rapide. C'est très rapide comme attaque, mais vous voyez que ça fait. Ça fait extrêmement mal. En fait, c'est des trucs kamikazes, plutôt sympa, pareil. Ah oui, d'accord, ah ouais, mais lui, non. Non, mais toujours plus. Tuez-les tous. Ah ouais, d'accord, ouais, en fait, j'ai pas mis de protection anti. Ah, j'ai perdu mon canon anti-nucléaire. Ah ouais, au calme, ah oui, ouais, d'accord. Lui, il faut pas le frotter en fait. Bande de méchants. Ouais, mais toi, en fait, t'es en train de me tuer là. On lui coupe la tête. Bon, si la partie dure pas trop longtemps, on fait direct la partie multiplanète, l'un de l'autre. De toute façon, on en fera plusieurs. Ouais, je pense là. Ah ouais, toi, tu annihiles ma. Ah, parce que là, t'es en train de me défoncer totalement quoi. C'est quoi ces troupes? Putain, je les avais jamais regardées. Non, arrête ça! Détruisez tout. Ah bah là oui, tu vas détruire tout, ça c'est certain. On va tenter de regarder ça comme ça. Alors attends. Pendant que lui nous attaque, on va gérer de là. Voilà, bon, hein, y a des avions qui restent, mais on les détruit pas. Hein. Bon, attendez, ça on va mettre là, ça on va mettre là, ça on va mettre là, et ça on va mettre là. Parce que j'ai beaucoup trop d'énergie maintenant. Ah, mais par contre, mon canon anti-aérien, il fait mal. Hein. Ouais, vraiment. Et il t'a vraiment détruit en 2 secondes quoi. Hop. Bon, ici ça gère comment? Voilà, donc ça c'est bon. Bon, ça fait mal hein, quand même. Hein. Un assaut de ce type là, tu vois, j'aimerais pas en taper un autre. J'avoue. Par contre. Ça quand même, il va falloir qu'on en ait plus parce que sinon on va se faire encore niquer. Donc, bon. Il faut. Ah, j'ai enfin un rendement rentable, un rendement un peu plus meilleur. Ah, j'ai enfin un rendement 100%. Ouais, tu vois, c'est pour ça que moi, en fait, j'ai des techniques pas bonnes. C'est vraiment, j'ai vraiment un rendement nul à chier. Ah d'accord. Ok. Pouf, voilà. Je continue à t'en prendre à ça. Ah bah oui, ça c'est... Ah bah tiens, regarde ça, tu vois, ça vient de détruire mon vaisseau. Ou un droit attaque. Ah bah oui, bah c'était ça. Et il m'a niqué, hein. On va pas dire. Ah, être enfin sans table, ça fait plaisir. Ta-da-da ! Tum, tum, tum. Thank you.
Ouais, moi j'ai fait la connerie de pas faire la ma technique de d'habitude. Voilà, ça avancera plus vite. Toi, je pense que tu as déjà une bonne avance. Moi, j'ai ça qui me fournit de l'énergie. Donc, il me faudrait unité orbitale, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. John, tu vois, il prépare un assaut, tu sais. Eh oui. Mais pas honte. Non, patrouille. Non, patrouille. Pardon. Patrouille dans ce... Non, pas trop loin. Non, pas trop loin, j'ai dit. Ouais, va pas dans le nid trop long. C'est ça, non, mais c'est surtout dans... Ah, là, comme ça. Voilà, garde ça, comme orbite. Voilà. Vous voyez qu'ici, c'est la course, hein. Ah, en fait, c'est celui qui aura le plus de rendement qui va gagner, quoi. Ouais. Bon, il faut que je déplace des troupes, parce que sinon, il va m'attaquer. Ah ouais, 42. D'accord, bon. On est go. Vous arrêtez-vous là. Voilà. Parce que oui, John va me push avec un missile nucléaire, ça se sent à 30 km. Oh bah oui. Je le sens venir, ça, moi. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi tu penses ça de moi? Voilà, par contre, ça, tu vois, ça fait mal. Tu vois, ma protection est suffisante. Hein. Voilà. Oh, je pense, oui. Oui, tu disais. Je crois que ça a pas fait long feu non plus. Oui, là, c'est la première fois que je défends autant, en fait. Tac. Tac, voilà. Détruisez lui aussi. Tac, là. Encore. Tac. Oh non. Bon, tant pis. Rip. Oh, regardez, ça fait une très très belle explosion. Oh, tous mes générateurs d'énergie. Bon. Oh bon, il m'a pas annihilé, c'est le principal. Je suis toujours en table en plus, hein, dans tous les coins. Oh, c'est énorme. Bon, par contre, il va falloir quand même faire des trucs. Il m'a empêché la création d'un truc important. Est-ce que j'ai encore des constructeurs? Oui, j'ai encore des constructeurs, j'ai masse constructeurs même. Venez par là. Voilà, lui, pour l'instant, il construit bien. Par contre, John, il m'a bien niqué là. Putain. Le missile nucléaire a fait quand même mal, hein. Oui. Tu te souviens les 7 que tu t'étais pris sur la tête la dernière fois?
Oui, j'en ai un souvenir. En fait, ils ont tous tapé au même endroit. En gros, John, à chaque fois qu'il essayait d'en annuler un, il y en avait deux autres qui tapaient encore. Voilà, c'est ça, en gros. En gros, il avait en fait un anti-nucléaire, vous verrez de son côté. Il doit en avoir plein des anti-nucléaires d'ailleurs. Oui. En fait, les anti-nucléaires, de sa. Merde. Bon, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon, tu m'as quand même épargné pas mal de troupes, hein. Tant mieux, hein. Oui. Ça, par contre, c'est dégueulasse. Tu sais, je vois que je perds le contrôle d'une île complète. Bon. Hop, ça on va construire ça. Alors attends, hop. Voilà. Oh non. Mon rip. Mon commandeur il va prendre cher. Je l'ai senti venir, tu vois. Je savais qu'il cherchait. Ah ouais, mais il est mort. C'est bon. Rip. Ouf. Putain, je lançais un pacifier juste après en plus sur le commandeur Kroger. Ouais. Je vois ça. T'as envoyé toutes tes orbitales, enfin. Ouais, mes orbitales, allez, venez me protéger. Ah ouais, je voulais. Bon, vous avez été inédié. Bon. Ah, c'était une super partie en tout cas. Très belle victoire de John. Hein. On se retrouve pour le prochain épisode sur du Multiplanet. Voilà, exactement. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao. Ciao tout le monde.